Et nous attendons, et le voilà sur le ring maintenant, Wonderful Hulk, présenté par le fier Michel Contignon, hein, qui n'a pas tenu un cheval aussi vif depuis sa quarantaine, c'est-à-dire il y a bien longtemps. Il porte depuis des lunettes. Voilà, on a vu Wonderful Moon gagner l'Union Rennen, un groupe 2 à Cologne. C'est une préparatoire au derby allemand. Et oui, ce Wonderful Moon a fait partie tout au long de sa carrière des meilleurs chevaux à l'entraînement en Allemagne, notamment à 2 ans où il a gagné groupe et ensuite à 3 ans où il s'est imposé parmi les meilleurs 3 ans. Et quelle génération, hein, c'était pas une génération creuse puisqu'il est 5e du derby allemand. Que 5e, vous me direz, oui, mais derrière Insoup, Torquator Tasso. C'est des chevaux qu'on connaît par cœur, qui ont gagné leur groupe 1 en France, à l'international, qui ont performé dans les plus belles courses du monde, l'Arc de Triomphe, les King George. Et ce Wonderful Moon faisait jeu égal avec eux et a même battu ces chevaux-là lors des préparatoires. C'est tout simplement le premier fils de See the Moon en France. See the Moon gagnant du derby allemand lui-même sous la selle de Christophe Soumillon et premier classique par le grand See the Stars. Ce Wonderful Moon est issu d'une très belle souche allemande, un très beau croisement avec Lomitas et Dashing Blake, donc c'est les 100 classiques allemands et en même temps un cheval qui a été assez précoce pour s'exprimer au meilleur niveau à 2 ans, pour poursuivre à 3 ans sur les distances classiques ou presque, 2000 mètres, donc il y a de la vitesse, mais il y a aussi pas mal de modèles pour ce cheval qui va avoir ses premiers foals en 2023. C'est un partenariat assez inédit entre ses propriétaires allemands, le Haras de Rosières aux Salines, mais aussi le Haras de Cercy et le Haras d'Étréhan. Il aura ses premiers foals en 2023, Wonderful Moon, il a beaucoup changé, le seul fils en France du grand See the Moon, père de gagnant de groupe 1 en plat et en obstacle déjà. Wonderful Moon au Haras de Rosières aux Salines, 1m66 et seulement dans 2000 euros. Il va falloir en profiter dès à présent.